Mais il y a des gens qui n'aiment pas le vin, c'est vrai. Ils aiment l'idée du vin. L'idée. Moi, je suis quelqu'un qui essaye d'aimer le vin. Je ne dis pas que je le connais, encore une fois. Je reconnais un goût. Je reconnais un ami. On le sent tout de suite. Eh ben, le vin, c'est comme un ami, finalement. C'est quelqu'un qui peut vous faire plaisir pendant une heure, vous enivrer, vous enthousiasmer, vous emporter pendant une heure, et qui après vous laisse propre, pas malade, pas de mal à la tête, pas de maux de tête, pas de fatigue, rien. Impeccable, propre, digne, loyal. Non mais ça c'est sûr. Au travers de Gérard Depardieu, nous faisons un produit qui nous va droit au cœur, qui nous a parlé. C'est le produit qu'on a connu, nous, étant gamins, et qu'on a été obligé d'abandonner, puisqu'il fallait se plier aux règles de la commercialisation, donc faire quelque chose au goût du consommateur. Et là, on revient à des choses tout à fait ancestrales, qui correspondent tout à fait à l'encépagement et au terroir que l'on a. Là, on a des choses vraies. Dans mes goûts, finalement, dans l'exigence de mes goûts, dans l'instinct du goût, je ne cherche pas ce qui est juste, je cherche la passion. C'est Jean Jarry, dit Jean le Vigneron, qui m'a initié. C'est avec lui que j'ai appris. On allait ensemble dans les vignes aux premières lueurs du jour. On campait là pendant plusieurs heures. Il me donnait des cours d'œnologie sur le tas. Il m'aidait à reconnaître toutes les feuilles de cépage. Cabernet, la Syrah, Chardonnay, le Gamay, Grenache, Chenin. Ça fait 15 ans, plus de 15 ans. C'est pas 74. Tu te rappelles la première fois? Oui. Que t'es venu? C'était au moment du Beaujolais nouveau. En 74. Oui, c'était pas bon. Non. Je me souviens, mais... S'il y en avait un qui était pas mal, c'était chez Louis Tête. T'en avais, toi, non? Oui, chez Louis Tête. Mais c'était pas terrible. Non. C'est après, en faisant nos tournées dans le... Ben, c'est là qu'on a appris le plus, oui. Hein? C'est là que j'ai appris le plus, d'ailleurs. Toutes les tournées qu'on a faites. Oui. Donc, les plus belles tournées, c'était d'ailleurs dans ces... Oui. On avait été là, dans ces pays-là aussi, là. À Chinon. Chinon, oui. Sinon, Bourgueil. Tu te rends compte un peu depuis 15 ans? Oui. Maintenant, on fait du vin. C'était pas prévu, ça, à l'époque? Non, c'était pas prévu. Hein? C'est marrant. Oula. Ah. Il va falloir rouiller un petit coup, là. Oh, ben, voilà, après votre passage, hein, c'est pas la peine que je... Non, c'est vrai, parce que tous les soirs... tous les soirs, on déhouille. On va pas le faire tous les jours, non? Parce que ça, il y a un monsieur, là-dedans. Ça. Oh la vache. Halte. C'est pas une bonne marque. Mmh. Un jour, elle change, vas-y. Je prends le bois. Bah, ça le prend pas, hein. Ça le boit. Ah oui, non, c'est sûr que ça refuse de prendre le bois, alors là, aucun problème. Hein. C'est joli. Ça, c'est vraiment... Ça commence vraiment... par rapport à avant les vacances, ça commence à le prendre. Oui.
Oui, ça, ah, ça ne gêne pas. Non, non, pas du tout. Là, il commence à se réouvrir. Ça l'a amaigri un petit peu aussi. Ah, bah, c'est normal, hein. Ah, oui. Puis c'est le Cabernet Franc. Ça, oh, putain, le Cabernet Franc, il faut que ça soit maigre. Ah, oui. La finesse, ça, c'est Mozart, là. Oui, oui, oui. C'est Mozart du vin, là. Si on fait goûter ça aux gens, ils aiment mais pas oui, ça. Mais oui, mais on s'en fout des gens. Ce qui nous intéresse, c'est le vin, nous. Ah, les gens, on les aime beaucoup, mais nous, on aime mieux le vin encore que les gens. Tu comprends? Non, mais ça, c'est un vin que les gens vont aimer, mais dans 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans, oui. C'est ça. Personne ne sait en Anjou qu'on est assis sur les meilleurs fûts de 89. Personne ne sait ça. Cela dit, il ne faut pas aller dans les concours, ils nous font chier leurs concours. Ah non, surtout pas les concours, parce que, alors là, si tu as, si un jour tu as une médaille, moi je ne viens plus chercher de vin à Tigné. Tu as raison. Il ne faut pas de médaille, les médailles, on n'en veut pas. Nous, on cherche le vin, on s'en fout des médailles. On cherche le vin, c'est tout. Voilà. Il y a qu'à voir les mecs comme ils l'ont cherché hier, le vin. Même les chiens étaient ivres morts. Je crois que le 51 et le 13 étaient très proches. En argent, oui. Je mettrais deux argent. Ouais. Là. Entre 51 et 13. Tout à fait d'accord. Et puis une médaille de bronze au 12. Oui, ok. Moi, je ne l'ai pas aimé parce que tout à l'heure, je lui ai trouvé un Excel ESO. Bah oui, moi, il vient après le ciseau derrière. Bon, couleur bien. Ouais. Mais. C'est même très long. Il y a un ensemble de très bons vins. Bon. Alors le 22 maintenant, on va goûter le 22. Un vin ne se compare pas. On aime ou on n'aime pas. Et je pense que c'est vrai que dans l'Anjou, là, il y a eu une telle débauche. Et puis avec tout le monde parle de l'Anjou avec des rosés, l'Anjou. C'est pas vrai. Il y a des rouges, il y a des gamets, il y a tout ce qu'on veut dans l'Anjou. Avec des cépages nobles. Et c'est dans la région d'abord, parce que je trouve ça, tu vois, ce ciel, la terre, l'histoire, la Vendée à côté, tu vois, j'aime bien cette idée aussi, tout ça. J'aime bien, j'aime pas le Bordelais parce qu'il y a que des snobs là-dedans. Je pense que je suis très bien ici. Je suis très bien ici et c'est vraiment une. C'est même pas un choix, je crois que c'est un instinct qui m'a guidé ici et je m'y sens très très bien. Le vin, les. Tu vois, mais. Le vin, enfin le liquide, par exemple, c'est vraiment. Pour moi, c'est comme des pensées. Je pense que, par exemple, tu vois, si on meurt et que les enfants profitent de la cave, comme j'ai dit aux enfants, soit à Guillaume ou à Julie ou à Elisabeth, je dis, on ne meurt jamais tant qu'on a du liquide. À tous les sens. Tu fais du vin pour durer. Pour laisser une trace. Non, je fais du vin pour. D'abord parce que j'aime ça. Et puis je fais surtout du vin pour communiquer. Et je pense qu'avec le vin, on peut communiquer au-delà. Au-delà. Ton père buvait ? Énormément, mais il buvait des choses pas propres. Mais il avait une grande connaissance. Comme tous les gens qui parlent pas ou qui ont. Il avait une grande connaissance de la convivialité, de la. Il commençait à parler dès qu'il se sentait en confiance. Est-ce qu'il doutait que tu deviendrais vigneron hein, Non, je crois qu'il n'a jamais douté que j'étais un voyou. Je pense que un vigneron, c'est aussi un voyou. Pourquoi ça Parce que ça fait. C'est les voyous, comme les cinéastes, comme Truffaut, comme les vignerons, comme beaucoup de choses, sont des gens, sont des espèces d'anarchistes qui font ce qui leur plaît. Et c'est vrai que la vigne t'amène. Quand tu l'as fait. Quand tu l'as fait comme. Enfin, il t'amène au hold-up, forcément. Il faut baiser avec la terre. Il faut oser. Et t'as l'impression que tu baises avec ta terre? Quand le jus coule, oui. Quand le jus coule, oui. Ah oui. C'est une maîtresse ou une femme? Je dirais que c'est un homme. Je dirais que c'est un homme. C'est quelque chose de beaucoup plus. Violent qu'une maîtresse. D'abord, une maîtresse, c'est chiant, je veux dire. C'est des gens qui. Les gens qui ont eu des maîtresses, c'est des gens qui ont des plaisirs égoïstes. Une femme, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Et puis un homme, c'est un espèce de secret. C'est un secret. Qu'on a tous en nous, qu'on n'ose pas. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de ça, quoi.